Sur le continent, ils disent qu'ils ont l'heure, qu'ils doivent être à l'heure. Et nous, on dit on a le temps. Il n'y a absolument rien qui presse sur l'île. Il n'y a que le bateau et la marée qui n'attendent pas. Tout le reste, ça attend. Tout le reste, on a le temps de savourer les choses. Le temps de caresser les chevaux, de s'occuper de... C'est de prendre une demi-heure pour le petit déjeuner parce que t'as pas envie de le faire en 30 secondes. Je dois accélérer, je crois que c'est complètement intrinsèque dans ma personnalité. J'ai jamais vraiment accéléré. Déjà, il y a 30 ans, je prenais mon temps. Et je crois que c'est important de savoir prendre son temps. J'étais employé dans une grosse entreprise à horticole. Quoi, une grosse? Un familial, mais intensif quand même. Puis au bout de 2 ans, je lui ai dit qu'il exagérait, je lui ai fait une grève. Et puis il m'a viré, puis bah, du coup je suis venu à Auray faire une formation. Et puis un jour j'ai découvert l'île d'Ar. Donc il y avait la terre, il y avait la mer. Deux éléments un peu indispensables dans ma vie. En été, j'ai même pas 2 minutes à moi, en fait, parce que on est 2500 l'été, à peu près, à vivre sur l'île. Sachant qu'ils nous font traverser, en moyenne, entre 4000 et 7000 personnes jour. Il y a 6 commerces, on va dire, au total sur l'île d'Ar. Alors, imaginez-vous un peu le bazar. Bonjour, Sophie. Bonjour. Mais on a besoin, justement, comme je vous dis, on a besoin de cette période de 2 mois, parce que si on n'avait pas cette période de 2 mois, on ne tiendrait pas. C'est fondamental, hein. C'est clair. Nous, on a notre rythme qui est là. Mais d'ailleurs, justement, mon rythme, en 7 ans, il a changé, quoi. Au début, il était complètement accéléré. On fermait à minuit, 1 heure. Puis d'année en année, en fait, vous révisez votre copie. Parce qu'en fait, travailler, c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais enfin, on ne doit pas faire que ça dans la vie, hein. J'ai adapté mon temps à ce que j'avais besoin, en fait. Bébé. Ça a été une très très bonne chose de pouvoir venir ici parce que ça nous a changé notre vie. Hein. Mais par contre, c'est un virage à 360. Hein. C'est un changement de vie, mais radical. J'ai vu pour les touristes écarts qui s'arrêtent. Là où finit. On n'est jamais, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Si on est occupé, on ne s'ennuie pas. C'est joli. On a un cadre magnifique quand même. Vous avez l'eau, le suivant, l'ordre des marées. Le matin, vous avez la marée basse, l'après-midi, la marée haute. La semaine d'après, c'est le contraire. Donc le paysage change tout le temps.
Quand on est vieux, on peut avoir beaucoup d'activités comme moi. Bah, on épie ses voisins, et puis on envoie des lettres anonymes, on les énonce. Bah, ça occupe les vieux, hein. Mais c'est pas grave, mais même, je suis libre comme l'air. On est une communauté, une vraie. Pas comme dans un immeuble entre le voisin du même palier qui se voit jamais et qui cause pas en plus. Tandis que nous, on cause. Tu as filmé comme ça ? Moi, je suis parfois, mais c'est pour des affaires de mœurs. Moi. Ici, vous n'avez pas de pression en fait. Vous n'avez que des gens qui je ne vais pas dire qui vous aiment, mais presque. On est toujours ensemble, on fait toujours la même chose, c'est toujours les mêmes rituels, c'est toujours les mêmes personnes. Donc que ce soit le matin, le midi, le soir, vous êtes en permanence toujours avec les mêmes personnes. Ça, c'est peut-être le côté justement qui va être difficile à accepter sur une île, en fait. Aujourd'hui, en hiver, j'ai tendance à me réveiller à 8h du matin. Par contre, plein mois de juin, c'est la saison où ça fait bien. Je me réveille avec les oiseaux vers 5h30. J'ai pas besoin de réveil. Et parfois, je réveille les oiseaux parce qu'ils se réveillent trop tard. L'hiver, les nuits sont longues, les jours sont courts, heureusement, parce qu'ils sont plus fatigants. Tandis qu'en été, c'est plus un sprint sur la longueur. Pourquoi le choix de l'agriculture ? Vaste question. Vaste truc, parce que je sais pas vraiment. Mais ça m'a toujours causé. C'est un truc qui me parlait, je sais. Alors pourquoi, je ne sais pas vraiment, mais c'est venu tout seul. C'est venu par la logique de s'occuper de sa nourriture, la découverte du premier jardin. Il y avait quelque chose, quoi, c'était comme ça, c'était pas autrement, c'était pas autre chose. Maintenant, en production, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, on sort le porte-monnaie à chaque fois, on va la faciliter. Et on va chercher du fumier à droite, on va chercher les semis à gauche, et puis on est devenu des maillons, et c'est pas normal. Donc moi seulement que voilà, là, j'avais besoin des chevaux pour retrouver l'intégrité du travail. Et voilà. Eh oui. Allez. Les chevaux, ils apportent beaucoup de choses. Le calme, la patience. Et puis de savoir que quand ça va pas avec des chevaux, c'est que ça va pas dans moi. Donc il faut que je me pose des questions, il faut que je me calme pour pouvoir bien travailler avec les chevaux. Est-ce que j'ai tout ? C'est beaucoup plus agréable. C'est plus lent, ça redimensionne vraiment le travail. Allez, Tina. Parce que t'entends les oiseaux, parce que t'as le temps de regarder un petit peu ce qui se passe autour de toi. Tu fais attention à plein d'autres choses.
Bah, ma fuite est trop serrée. Hein. Faut qu'on trouve du mou. Faut qu'on trouve du mou, là. T'es pas là, bêtement, le nez dans le guidon. Tu regardes autour de toi, tu vois ce qui se passe. Et ça change vachement la donne. Voilà. Voilà. Et alors, il faut que tu marches doucement. Ça va pas le faire, sinon. Travailler avec un cheval, non, ça te permet de perdre de temps. C'est de reprendre le temps de faire les choses. Il n'y a pas de retour en arrière avec un cheval. Il y a un changement de cap, il y a un changement de direction. Il y a un changement de tempo, surtout. Allez, doucement. Doucement, Eyal. Et on avance. La production, c'est vraiment un terme que j'aime pas du tout. Avec la sémantique, c'est important. Je ne veux pas de ce langage trop économique où il n'y a que des produits partout. Mes chevaux ne sont pas des produits, ce sont des animaux. Je ne suis pas un produit, je suis un humain. Mes tomates ne sont pas des produits, ce sont des tomates. Et donc je suis un paysan. Je vis au pays, je travaille au pays. Et je ne fais pas de la production. Ma mère m'a transmis le respect autant avec les personnes qu'avec les animaux, qu'avec la nature, qu'avec soi-même. Je suis agriculteur, cultivateur, poète quelque part, et puis plein d'autres choses, je ne sais plus quoi. Avant, moi, j'habitais en pleine ville. Hein. Je faisais ce que je voulais au moment où je voulais le faire. Aller à Vannes, aller sur le continent, c'est déjà 3 heures de temps. Donc voilà, t'intègres un petit peu toutes ces données quand tu vis sur une île. C'est un truc où tu as un tempo qui est là, et puis tu vas faire des courses, tu dois te débrouiller pour être de retour au prochain bateau. Je circule de 7h moins le quart à 19h tous les jours. C'est 365 jours par an, dimanche, jour férié. Depuis 29 ans, c'est toujours le même rythme. L'été de juillet, août, ou que ce soit pour des vacances de Pâques ou les vacances de la Toussaint, il y a beaucoup plus de monde, donc on tourne beaucoup plus, on a plus de contacts avec les gens. Bah, on fait office du tourisme quand l'office du tourisme est fermé. Donc on explique tout ça, et puis ça fait de la vie par rapport à l'hiver où on s'ennuie un petit peu quand même. J'aime bien aller voir ce qui se passe. Je ne ferai pas toutes mes activités sur l'île, par exemple. J'ai besoin d'aller voir le parc un peu. J'aimerais bien aller voir un peu plus souvent le parc, de temps en temps. J'aimerais bien avoir du temps pour me balader, ça c'est sûr. À pied, on est libre. C'est un bon moyen de transport. C'est jusqu'où on peut porter nos pieds, c'est pas mal.
Là, pour l'instant, je suis dans une histoire que j'aime bien. Et puis, si j'allais revivre sur le continent sans histoire, je vois pas ce que j'irais faire. Pour l'instant, j'ai plus beaucoup d'histoires sur le continent. J'ai rencontré une fois une nana qui disait tente le chemin du cœur, il faut y aller. Là pour l'instant je trouve qu'il a du cœur. Donc j'ai bien envie de l'explorer un peu plus encore. Gaz. Non, j'arrive.